Oops. Les copains. Oh mais quelle intro. Quelle intro, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas du tout. Salut les potes, bienvenue sur Marco Gaming. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un autre jeu en mode découpage. Hein, ninja, on est toujours dans le même truc. Hein. Katana, on est à fond. Ah ben une fois qu'on met le doigt dedans, c'est mort. Donc, on se retrouve pour Nioh 2, un autre jeu de la Team Ninja. Donc si vous avez loupé la dernière vidéo... qui était sur Ninja Gaiden 2, un autre jeu de la Team Ninja, mais qui date de quelques années, de très longtemps même. Vous allez voir le fossé technique qu'il y a entre les deux. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Ninja Gaiden 2, je vous mettrai un petit lien en haut à droite. Vous avez fait une vidéo dessus parce qu'il quitte prochainement le Game Pass. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est peut-être déjà fait. Donc vous pouvez vérifier si vous ne l'avez pas encore. Et il y est peut-être encore sur le Game Pass, donc allez-y, prenez-le, parce que ça reste un bon jeu, même s'il a mal vieilli. Donc là, c'est Nioh 2, j'ai pas fait le 1. Le 2, là, comme le 1, il est assez difficile, enfin, il n'est pas difficile, il est exigeant. Voilà, on ne peut pas trop faire n'importe quoi, c'est pas trop permissif, faut savoir ce qu'on fait, quoi. Et Nioh 2 est disponible sur PS4, PS5 et PC. Je ne crois pas qu'il soit dispo sur Xbox. À vérifier, vous me direz dans les commentaires, mais je ne pense pas qu'il soit dispo sur Xbox. Donc, voilà quoi. Et là, on va voir un peu au niveau de Nioh 2 comment ça va se passer. Je fais genre suspense, mais je sais comment ça va se passer. Je vais souffrir un point barre. Une petite présentation, une petite... petite intro à l'encre de Chine et compagnie. Oh, c'est bien fait, ça. C'est vraiment bien fait. Je vous laisse en profiter. The villagers welcomed him with joy, believing he brought blessings from the spirit world. However, as time went by, they began to fear him. Tormented by the villagers, he began to attack them. Until he came to be dubbed a demon. One of the village youths decided to make a stand. He gathered a multitude of golden stones, forging them into a blade that gleamed with an otherworldly light. With this mysterious blade, the invincible demon was cut down at last. The young champion who slayed the fiend entrusted the blade. Thank you.
my child. Be strong. Ah, you have gone big, have you not? I just can't wait to see how our child turns out. All I know is that there will be no limit to their potential. Voilà, nous voilà dans la création du personnage. Bah, comme vous avez vu dans l'intro, hein. Voilà, sauce tomate, il y a du rouge. Ah là là, ça changera pas. On va pas trop passer de temps là-dessus, honnêtement. Déjà, avec les tout ce qui est tuto et tout ça, ça va prendre du temps, donc je me ferai un personnage qui me plaît plus tard. Je referai. Là, ça va prendre trop de temps. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Donc, n'hésitez pas à vous abonner surtout, hein, parce que je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas, c'est un peu dommage. Et puis surtout la petite cloche, parce que des vidéos comme ça, déjà, il y en a pas mal sur la chaîne. Vous verrez à la fin de la vidéo, hein, vous avez un lien sur les vidéos, sur les playlists qui sont sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a quand même pas mal de vidéos maintenant. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous voyez, c'est pas mal, hein, c'est vraiment très beau, je trouve. Ah ouais, on a le tuto. On va vraiment replier ça. Ah ouais, cette espèce de sabre. Chaque arme nous donne des bonus différents. Et là, ça nous donne bonus de force. Alors, on va essayer, on va prendre une autre arme. Vous savez ce que je peux faire, moi. Katana, les gars. Là, j'ai les deux armes, et pour changer d'arme, voilà, il me dit. Tac. Un katana, cœur plus 1. On a pris que des choses qui découpent. Je crois qu'il y a un bâton qui est pas mal. Et ils font quoi aussi? Waouh. Comment on change là? Est-ce que c'est comme ça? Courage plus 1. Ah, c'est vraiment corps à corps là. C'est ça, est-ce que protecteur? Ah oui, d'accord. C'est vrai. Il y a différents esprits. C'est ce qui correspond à nos différentes magies. Vraiment, quand il s'énerve, voilà. Et là, ça ne va plus. Hein. Là, on attaque les mains. Voilà, ça, c'est une attaque, ça. Voilà, et après on devient normal. Il y a le loup aussi qui est pas mal. Ah, c'est bourrin ça, hein. Attaque. Alors, on va pas tous les faire, les gars. Ah, j'ai appuyé un peu trop près de celui-là.
Comment on peut changer les propriétés? Ah oui, si on prend l'esprit protecteur pour le jeu là, je vais peut-être prendre. Il me donne aussi un bonus, force bizarre. Didacticiel commande de base. Ah, c'est pour verrouiller. Ça s'estomate quand même, hein. Ah, une fois qu'on a terminé. Là, ouais, la garde et l'esquive. Chose importante, tout ça. Tac. Esquive. Ah. Lorsque vous reculez. Il me semble que c'est ce que je fais, mais ça ne prend pas en compte. Garde interrompu. Laissez OLB lorsque vous reculez devant. Ah, c'était ça. D'accord. Maintenant, je peux te buter. Ah, les différentes postures, c'est ce qu'on voit en bas à droite. Posture haute, tac. Et en B, Y. Bon, c'est bon, il y a activé là. Il est activé déjà. Et en B et Y. Bon, je reviens là-dessus. Et je réactive. Voilà, comme j'étais dessus déjà, il ne l'a pas pris en compte. Oh lolo. Déjà avant qu'on l'était de voler sur Ninja Gaiden 2, c'était chaud, mais alors là... C'est encore plus réaliste. Ouais, quand je le verrouille pas, c'est quand même plus compliqué. Hein. Dès que je verrouille... Oh,
Ah ouais, c'est parce que je dois faire la posture. Allez, je prends un peu le sable. Oh, oh la vache. Ah, ça gicle, hein, les copains, ça gicle. Oh là là. Point d'ennemi, à cause de qui? Dans Yokai à terre. Ah, ça c'est le fameux finish là qu'on avait. Le fameux finish qu'on avait dans le Ninja Gaiden 2. Ah, il est à terre. Il n'y a plus de ki. Et là on fait il break, je crois. Ah ouais, quand même. Hein. Parce que je l'ai fait accidentellement tout à l'heure, ça m'a rechargé le ki. A savoir que quand on est à court de ki, après on peut plus enchaîner aussi facilement qu'avant. Quand la lumière revient. Ah, la barre verte c'est le ki, ça diminue. Ouais, quand on en a plus, pour faire les enchaînements, c'est un peu plus compliqué quoi. Donc faut recharger. Là, ça se recharge parce que c'est de l'entraînement. Et sinon, on recharge le ki en concentrant comme ça. Avec RB. Bon, ben ça, c'est pas mal. Ça fait un petit moment qu'on est dessus. Là, faudrait peut-être commencer à... Encore un truc. Un purifier. Vous pouvez purifier et dissiper un royaume yokai après une impulsion. D'accord. Donc, ce qu'on vient d'apprendre, là, ça va nous aider. Alors, dès qu'on se trouve dans son périmètre... Qui... Voilà, pour recharger. Ça, on a pas. Mutation locale, on l'a fait. On l'a fait, ça. On a fait mutation locale. Ah non, ça j'avais pas fait. Le contre-explosif. Ah, c'est quand il essaie de nous taper et nous on fait un contre avec le. Donc RT et B. Ah, là. Boum, ça c'est le contre. Ah, ça l'a calmé direct. Et là, je le finish. C'est excellent. On va dire qu'on a tout fait, on peut sortir. On va commencer là. On a fait ça. Ah, on n'avait pas attaqué d'ennemis avec. Ah oui, d'accord. Ah, c'est le finish, mais avec le yokai qui fait très très mal. Je l'ai fait là, non? Ah, c'est ça. On n'était pas à court de kill. Je l'avais fait là. Alors, on va le verrouiller.
la cour de qui? Ouais. Oh, ah oui, là je crois qu'on... là, je crois qu'on a réussi. Ok. Ah ben, nous apprend tous les trucs avec le yokai, du coup. Au moment adéquat quand l'ennemi attaque, LB et Y. Ah, ça y est. Voilà. Pas évident à placer celui-là. Réanimation. Bon, est-ce que c'est fini les didacticiels bien longs là? Ouais, c'est bon. Ah, quitter ce lieu. Bon, on va peut-être pouvoir enfin commencer, hein. Il y a pas mal de choses à mémoriser. Je sais même pas si je vais me rappeler de la moitié de tout ça, là. Mais on va voir. Marrer le monstre. De branche céleste. D'accord, donc la moneta c'est important. Donc si j'utilise ce truc là, je perds toute la moneta. Je sais pas encore à quoi ça sert. Ok. Je crois qu'on commence ici. Il y a les récompenses qu'on a en accomplissant cette mission. Ok. Donc c'est comme d'hab, c'est pour
faut sauvegarder, je pense. Ah non, même pas, c'est une montée de niveau. Utilisez la moutarde dans le menu de monter en niveau pour améliorer vos stats. La vitesse. D'accord, le courage c'est la vitesse, restauration de ki. C'est bien au moins, c'est expliqué dans le détail, c'est bien ça. La magie c'est quoi? Le tableau d'effet, capacité de votre magie, dominio. Glaive, bâton, ça, là j'ai pas encore tout ça. On peut augmenter la constitution. Les PV, la résistance, ouais. Alors, il y a des trucs où il y a voilà, un point d'exclamation dessus. Donc voilà. Ah ben oui, comme j'ai la complète édition, j'ai plein de trucs. Oula. Eh ben confirmé. Et des choses. Ça, l'entraînement, on a déjà fait. Donc non, merci. Ok. Bon, ça, il y a des emotes. L'équipement, avec tout ce que je viens de looter entre guillemets, j'ai quoi faire un truc pas mal là. Wow. Les chiffres, c'est la puissance de l'arme. Si c'est ça, j'ai des armes beaucoup plus intéressantes. Mais j'ai pas encore déverrouillé, il y a un verrou à côté. Les compétences actives, si vous avez plusieurs avec une commande, une posture identique, vous pourrez activer celle de votre choix. Waouh, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. On n'a que ça pour l'instant. Il faut aussi avoir appris. Ah ouais, d'accord. On n'a que ça. L'ennemi qui est à terre et on l'achève. Et le reste, ben, faudra apprendre. Et là, c'est quoi? Ah, c'est ce qu'on a vu pendant l'entraînement, ça. Ah là, c'est des contres, tout ça. Bon, ça. On va essayer de les placer hein, quand ça contre un ennemi. Par contre, au niveau de l'équipement, on va voir si... Armement de tête, on n'a rien. Waouh. Wow, ce casque 20 en défense. Ah ouais, je peux déjà le porter. Ça m'étonne que je puisse déjà porter les trucs là, mais du coup le verrou à côté, je sais pas ce que c'est. On va se faire plaisir, on va quand même les porter hein. Si vous avez une idée, ben peut-être que je fais mal les choses, mais il y a un verrou à côté, mais je peux quand même le porter. C'est stylé en plus. Ouais, le gantelet, j'ai un truc à 6. Oh la vache.
On va tout changer. On va voir si je suis faible d'un coup, là, je verrai, hein, je me ferai poutrer par les ennemis. Ah, d'accord. On est limité quand même par le poids. Alors, ce qui fait que les espèces de bottes, là, je peux pas. Des accessoires. J'ai pas d'accessoires. Ça, je peux changer. C'est un truc qui. C'est un accessoire qui donne des petits bonus en plus. Efficacité d'élixir, ça, c'est sorte de pour me soigner. On a droit à deux accessoires. C'est bien. Présence de trésor. Ça peut aider. Élixir. Ah, ça, c'est ce que je vois dans le raccourci, la croix multidirectionnelle. Pour me soigner. Donc, ben, ça, c'est bon, hein. Là, on va le garder comme ça. Oh lolo. Écoute, l'ennemi qui va venir là, ben ça va lui faire drôle. I should have trained more. On va aller par là. Non. Ah, c'est de l'autre côté. On va passer par l'autre côté. Ça pour l'ouvrir, dit. Think you can defeat me? Just try it. On va penser d'anciens combattants là. On a un petit ennemi qui est là. Ah ouais, j'ai plus de ki, c'est pour ça. Oh la vache, je vais pas me faire tuer par ça quand même. Oh, c'est pas vrai. C'est à ce point-là? C'est à ce point-là, les gars. J'ai pas compris. Ah, j'y crois pas. Mais ça, c'est un petit monstre de merde, on est d'accord? Comment je me suis fait tuer là? Ah, je suis peut-être trop lourd. Il y a le petit signe en dessous de ma barre, j'avais pas vu ça. Je suis trop lourd. Waouh! Ah, en deux coups, j'ai. Ah ouais, et puis j'ai plus. Je peux même pas recharger mon ki, je suis trop lourd. Waouh! Ah, je me fais poutrer par le premier ennemi venu. Ça, je garde ces armes-là, de toute façon. Bah, le gantelet, je vais prendre ce que j'ai normalement, hein. Le casque, j'avais rien, je vais garder celui-là. Bah, j'ai plus le. Voilà, et je peux à nouveau recharger mon ki. J'ai plus. Ah, quand on est trop lourd, on peut pas recharger. J'ai essayé de le faire. Ah, comment je me suis fait poutrer, les copains. Ah non. Ah. Oh non, mais c'est pas possible. Les Hokka n'utilisent pas le ki comme les humains.
Oh! Comment j'ai fait ça? Tandis que je galérais tout à l'heure. Et il m'a juste énervé, les potes, hein, c'est tout. Je sais pas. A shameful defeat. How could I have been so careless? Menu statut. Il y a un truc qui a changé là-dedans. Ouais, voilà, menu statut. Et vérifier et charger vos objets et votre équipement dans le menu statut. Ah d'accord. N'importe la puissance d'une épée ou d'une compétence, vous devez vous équiper de l'arme et apprendre la compétence pour qu'elle vous soit utile. Ah ouais. Moi c'est bon parce que j'ai pu verrouiller tout ça donc je sais pas c'était quoi ce petit feu de camp là. Oh lolo, mais c'est quoi ce truc? Je peux pas appeler le. En plus, j'avais des trucs pour me soigner, hein. Je me soignais pas, mais quel con. Alors lui, ça va être compliqué, les gars. Oh là! Oh, éloigne quoi au moins? Vous avez dit que j'allais souffrir. Ah donc faut vraiment regarder comment il attaque. Je le sais hein, pourtant. Oh non, on se retrouve avec lui là, mais c'est une blague. Oh, il m'a immobilisé. Enfoiré. Bon, on peut le finir là normalement. On l'entend l'autre. Je retrouve la petite jauge de yokai, mais je ne vais pas l'activer toujours. Allez, on le verrouille. Un petit truc là. Oh là là, il frappe fort la vache. Ah non mais là. Et bon, ce sera la découverte pour vous montrer la difficulté du premier, même pas un boss.
Je pense pas que ce soit un boss. Oh là là, mais c'est... Au moins, c'est un challenge. Faut vraiment pouvoir l'esquiver, etc. Et je joue pas assez avec les esquives. Bon, si on arrive à tuer celui-là tandis qu'avant on avait du mal, sait-on jamais. Vous arrivez à retrouver à aller sur la tombe là, la récupérer. Réveille-toi, réveille-toi. Ah là 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 là. Bon. On est d'accord que j'y vais comme un gros bourrin, c'est peut-être pour ça que je crève. Non, me dites pas que la découverte de ce jeu va s'arrêter là, quoi, parce que honnêtement, si je meurs en boucle. Pourquoi il n'est pas aussi simple que celui-là, là, que c'est bon, maintenant je le découpe comme je veux. C'est compliqué d'aller sur la tombe la récupérer. C'est bon. Oh là 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 là. Dernier essai, les gars. Je pense qu'on a compris un petit truc là. J'ai compris un petit truc. Je crois que j'ai compris un petit truc. Ah, je sais que vous kiffez me voir souffrir comme ça. Alors, courir, ça consomme du ki. Ah, voilà, c'était Y. Tout à l'heure, j'essayais de faire B pour l'achever. Allez. Cadavre là-bas, la tombe là. Allez les gars, on y croit. Notre jauge, elle est presque pleine. Hein. On pourra peut-être invoquer le yokai. Histoire de le poutrer bien comme il faut. Bon, on s'éloigne un peu trop. D'accord, on flippe, mais c'est bon, on va verrouiller. Allez, on est parti. Prends ton truc, là. Chut.
Oh là 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 là, je suis vraiment trop pressé. Ah, on va vraiment essayer de le battre. Allez, dernier essai là. On va vraiment regarder ses attaques. Il les esquive. Alors. On fait une roulade. Ça. On peut aussi se protéger. On l'a pas assez fait. Allez. Là, je l'ai le yokai. Non, en plus j'avais le... Oh là là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ben ouais, la mutation était là, je l'ai. Allez, on va tenter ça. Et d'ailleurs, la parade fonctionne bien. Je perds de la vie, mais pas tant que ça. Bon, toi, on va te poutrer un peu comme d'hab. Faire quelque chose, cours, reste pas là. Réveille-toi. Ah, j'ai plus de vie. On a joué un peu plus longtemps, les gars, mais j'ai plus de vie. La prochaine attaque qu'il me fait, là. Oh là là, oh, elle est venue par derrière. Bon, hein? Ah, un petit dernier pour la route. C'est pas qu'on aime ça, mais on va essayer de le battre quand même. Il y a ça qu'on peut faire. Il y a la parade des dés. Il y a les contres aussi. Là, faut se rappeler de tout ce qu'on a appris. Là. C'est ça le plus dur.
on y arrive là. Je crois que je l'ai désactivé sans faire exprès tout à l'heure, ça peut durer très très longtemps. Ah là là. Cours, cours, reste pas là, reste pas là. Voilà. Qu'on va bientôt arrêter les gars. Ah oui, voilà. Bon. Alors, je pense qu'à un moment je regarderai des tutos pour voir comment le battre celui-là. Mais les patterns sont assez. Je pense qu'il y a 3 attaques différentes de ces coups. Bon. C'était la séquence souffrance sur Nioh 2. Donc comme vous voyez, assez chaud. Vraiment assez chaud à maîtriser. Quand je pense que c'est que le premier celui-là, donc faut vraiment apprendre les patterns des boss et tout ça. On n'aura pas dépassé ça. Et comme je veux pas que la vidéo dure 2 heures, je veux pas vous décourager en disant qu'il est trop difficile. Hein. C'est juste moi qui suis mauvais, hein. Tout simplement. Et je suis sûr que si je me mets sérieusement et que calmement posément, je regarde les patterns, je pourrais y arriver. Mais là, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Mais voilà, c'était une petite session souffrance, mais pas découverte, enfin découverte un peu spéciale de Nioh 2, qui est disponible donc sur PS4, PS5 et PC. Xbox 360. Ça, ouais, c'est Ninja Gaiden 2 que j'ai encore dans la tête. Sur les consoles Xbox, je sais pas, à vérifier. Donc. Ben, je vous invite à jeter un coup d'œil aux autres vidéos, hein, où je joue quand même un peu plus longtemps, où j'arrive à avancer dans le jeu, hein, vous inquiétez pas. Je vous mettrai des liens, vous verrez à la fin de la vidéo, il y a des liens pour pouvoir y accéder. Donc là, ben, Nioh 2, honnêtement pas mal, il est super beau. J'ai envie de continuer, mais là, avec vous, je continuerai pas, sinon la vidéo va faire 2-3 heures de fail, non. Voilà, je préfère le faire tout seul dans mon coin, ça, au niveau des échecs. Bon, en tout cas, vous avez un peu découvert à quoi ça ressemblait, etc. Et honnêtement, vous ne vous fiez pas à mon gameplay pour vous décourager et vous dire que c'est pas pour vous, parce que je pense que c'est vraiment moi qui ne maîtrise pas le truc. Donc, si vous avez envie de vous le prendre, allez-y, n'hésitez pas. Donc, je vous dis à la prochaine pour la découverte d'un autre jeu. On verra, ce sera peut-être Werewolf, c'est un autre jeu qui est sur PC et console, alors je sais plus lequel, je vais voir toutes les infos et puis je vais essayer de vous faire une petite vidéo dessus. Ou bien ce sera peut-être un autre jeu, je garde un peu de suspense. Donc en attendant, ben, je vous dis à la prochaine pour un autre jeu. Allez, ciao les gars.